tous les gens ne sont pas plus envoyés de leur participation. Tous ceux qui nous suivent actuellement, le monde entier, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, restent dans le palais du prince GMP Santé. La paix, la bénédiction les accompagne pour cette nouvelle année avec la santé. Et c'est là que vous êtes en train de voir, c'est pour consulter sur l'année, et c'est ça, le bocal de notre palais, c'est-à-dire le charlatan de notre palais, a commencé par évoquer les dieux, les quatre éléments de la nature, les oracles, pour qu'on voit le signe géomancique sur lequel nous allons terminer cette cérémonie, afin que tout le monde puisse avoir la satisfaction, la paix, le bonheur, la santé. Et c'est ça, d'après le signe qui va sortir tout à l'heure, on va vous expliquer. Le signe géomancique, le signe mère qui est sorti, c'est Gbelete. Gbelete a donné ses incarnations en même temps sur la boisson là qu'on avait servi au grand dieu à Klinganou de notre palais, que cette boisson n'a qu'à verser par terre aussi pour les esprits qui sont dans l'autre monde, autrement dit dans le monde des morts. Le signe Gbelete a en même temps évoqué et a indiqué ça, et c'est ça qu'on a donné à Boko, et il vient de verser par terre avant de commencer par expliquer. Et Boko Gbelete, Gbelete. Elle a beaucoup de mais on a quand même un peu de problème. Elle a fait de la tête. 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 Elle a son nom. A saint un bon nom. Elle a fait de la tête. Elle a dit qu'elle a fait de la tête. Elle 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 a fait de la Le signe Gbelete qui est sorti, tel a expliqué le bocal de notre palais, le charlatan de notre palais, que c'est un bon signe qui va accompagner tout le monde dans cette nouvelle année auquel nous sommes. Mais qu'il y avait des cérémonies, des rituels
que l'on va faire dans l'année. On va faire beaucoup de rituels dans l'année. Autrement dit, vous qui êtes à l'écoute maintenant, vous mes chers internautes qui sont là, vous allez faire, malgré qu'on avait fait cérémonie de fin d'année sur tous vos noms, et on avait fait, et on a évoqué la puissance des dieux afin de nous accompagner dans cette nouvelle année. Vous aussi, vous allez demander en consultant, c'est-à-dire en vous consultant, c'est-à-dire on va vous consulter et faire les cérémonies, les rituels dont il s'agit. Mais de ce que vous avez demandé, c'est ce que le signe a précisé même, ce que vous avez demandé, si on vous fait dans cette année-là, ne dites pas que non, cela ce n'est pas encore suffisant, je vais encore aller au haut niveau. Cela va vous mener et vous créer des problèmes par après. Donc ce que vous avez demandé, ce que les dieux, les oracles, les divinités, le Dieu Sekbolisa, le Dieu Aglingan, ils vous ont donné, recevez cela, ils ne vont jamais vous donner de malheur, mais de bonheur. Mais ne dis pas que, ah, moi par exemple maintenant, c'est l'enfant que je veux faire dans ma vie. Tu as demandé ça dans l'année. On a travaillé pour toi, tu as fait enfant. Et en même temps, tu dis que non, ça ne te suffit pas, que tu vas faire encore autre affaire qui va te donner peut-être d'argent ou bien qui va te mener à trouver du travail. Non. Choisissez et orientez-vous sur ce que vous voulez. Et quand vous approchez de Prince GMT Santé, que vous aurez la satisfaction totale. Somi. Alors, c'est un duendo. Que c'est le Dieu Sekbolisa qui a l'être humain et qui a aussi l'animal. Le Sekbolisa, le Mao Sekbolisa, Dieu suprême, il commande à faire du champ, à cultiver à l'être humain et l'animal en même temps. Somi. Cet animal là dont on est en train de parler, c'est le vieux singe. Et le vieux singe, quand on parle de cela, on est en temps de l'entité. C'est-à-dire vers les Homo sapiens sapiens. À ce niveau, le dieu symbolise ça sur le signe. Belter, il commande à l'être humain de cultiver, de labourer un billon. Mais à l'animal là, il lui recommande de labourer deux billons. Mais malgré cela, l'animal là, lui finit pour lui le plus vite que l'être humain. C'est de là que, autant donc que le singe, c'est-à-dire l'animal là, lui laboure vite, malgré qu'on lui commande de faire 2 millions, lui finit vite. C'est-à-dire que l'être humain, c'est de là que le singe là a évoqué qu'il va transformer cet animal là en l'être humain. Donc c'est de là que les Homo sapiens sapiens, ils commencent à s'adire et ils redeviennent maintenant l'être humain. Et c'est le signe là qui les a transformés. Donc partout où vous êtes, dans l'Amérique ou bien dans l'Europe ou bien dans l'Afrique ici, dans ce que vous êtes, dans tout problème que vous êtes maintenant, l'heure a sonné afin que le signe là, les sacrifices de ce signe, et aussi quand vous recevez les bénédictions du palais, du Prince GMT Santé, vous allez voir que vous aurez de changements tels que le signe a fait changer les Homo sapiens, ça veut autrement dire l'animal au temps de notre entité. Parce que au temps là, c'est l'être humain et l'animal là, eux tous là, ils restent accroupis. Ils sont tous accroupis en ce temps. Mais lorsque le Dieu Sekbolisa a dit qu'il va les redresser tous et ils vont être tout droit comme ça, c'est 7 jours qu'ils les ont donnés. Et dans les 7 jours-là, c'est lorsque ça reste 2 jours qu'il les a commandés à faire de guillon. Et quand ils ont commencé par labourer et faire là, et l'animal a fini le plus vite que l'être humain, c'est de là qu'il avait pris maintenant pour pouvoir les transformer tous en l'être humain.
Lorsque ça reste deux jours, c'est le Dieu Saint-Polissa qui les a dit qu'il va les redresser tous, les transformer tous en êtres humains. Et c'est de là que l'animal, le vieux singe là, a commencé à la veille de cela là. Et d'autres, et avec les autres singes là, ils ont commencé par mener leur tam-tam au tam, le bras comme ça, et commencé par taper de ce que la chanson qu'on vient d'entendre. Et la chanson là, l'animal là est en train de crier, en train de parler à tout le monde en même temps que ah, le Dieu suprême Mao Tse-Bolissa a dit qu'il va nous transformer en être humain demain. Au sein de Majoloso. Il y a des deux qui ont dit que c'était un peu comme ça. Si vous avez un peu comme ça, vous avez un peu comme ça. Vous avez un peu comme ça. Vous avez un peu Lorsque la chanson là a circulé dans tout le palais en ce temps, l'être humain maintenant est allé chez le suprême, Dieu suprême, Mao Tse-Bolissa, et l'a demandé qu'est-ce que d'autres êtres humains les ont fait, c'est-à-dire affaire Dieu suprême, Mao Tse-Bolissa là. Et il ne peut pas les transformer eux d'autres. Et maintenant, c'est les animaux là qui vont transformer, c'est-à-dire en être humain et les redresser. Quand il les a demandé cela, ce que ça dit, et cambio et négaro. Et cambio et yo, il y a même un rôle bidon, il dit, c'est noir, cambio, et béton cambio, c'est noir, yo. C'est noir, nous donnons le mécadonou, et béton, il y a un carangelon, ça, il dit. C'est de là que lorsqu'il a demandé à Dieu suprême que pourquoi il les a laissés eux d'autres êtres humains là, ils ont gardé d'autres êtres humains là et transformé l'animal. Quand il les a demandé cela à Dieu suprême, Mao Tse-Bolissa là, le Mao suprême Tse-Bolissa a dit que il les a en même temps questionné que c'est qui les a dit à eux maintenant qui se sont venus en train de lui demander que lui, le suprême, Dieu suprême va les transformer en être humain. Comme il les a demandé cela, et de là, il les a dit que aux êtres humains, ça dit qu'il n'a qu'à aller à la maison et qu'il va aller voir les animaux là qui ont commencé par chanter et taper de cela, que c'est lui qui a décidé de les transformer, de les redresser en être humain. Et le Dieu suprême les a dit qu'il n'a qu'à aller à la maison, qu'il va aller voir les animaux là pour les demander. Il est allé effectivement. Il les a demandé, et eux d'autres, ils ont, il y a les vieux singes dedans qui sont sages là. Eux d'autres, ils disent qu'ils n'ont rien chanté. Parce que lorsque le Dieu suprême Tse-Bolissa est allé là, il les a dit que ah, c'est comme ça, hier là, ils ont entendu une autre chanson en train de taper là, et la chanson là lui plaît vraiment. Il n'a qu'à entendre taper encore, il va voir ça, que c'est bon pour lui. Encore pas de Dieu suprême, Mao Tse-Bolissa en ce temps-là, c'est le Dieu suprême de tout, des entités. À ce niveau, c'est un enfant, c'est-à-dire un animal qui n'est pas
sage qui n'est pas trop âgé, lui qui dit maintenant que ah, que lui s'est rappelé de ça, parce que les sages de ces animaux-là ont refusé qu'ils n'ont rien chanté. Parce qu'eux, ils ont compris en même temps qu'il y avait quelque chose qui veut se passer. Or, le petit animal qui est dedans, là, lui dit que ah, lui s'est rappelé de la chanson. Et il avait entonné seulement la chanson qu'on vient de chanter tout à l'heure. Et lorsqu'il a entonné cela là, eux d'autres, ils ont accompagné la chanson. C'est de là que le mot suprême les a dit que la bouche qui est là pour eux là, ils parlent de n'importe quoi là et ils n'arrivent pas à garder des secrets là. Et ils ont dit ça là et entonné, l'être humain vient en train de l'accuser là. Que c'est comme ça ils vont rester jusqu'à leur éternité, qu'il ne va plus, c'est-à-dire les transformer, les redresser en être humain. Donc c'est pourquoi surtout, vous allez voir les singes et ces animaux-là, normalement tous les animaux, normalement ils devront être comme nous, l'être humain aussi. Or c'est la bouche qui est là pour eux, qui parle beaucoup là, c'est ça qui fait chose. Donc le signe là est en train, d'avertir tout le monde qu'on n'a qu'à garder la bouche dans cette année. Gardez votre bouche, mes chers internautes, de ce que vous êtes en train de faire. Si vous venez peut-être vers moi, Prince GMT Santé, je vous fais quelque chose. Gardez votre bouche là-dessus pour que le bonheur qui est dedans vienne d'abord avant que vous allez en parler aux gens. Sinon, ce qui s'est passé sur les animaux là va vous arriver aussi, ce que l'on ne vous souhaite jamais. Que les bénédictions soient et mes meilleurs vœux de l'année. Et surtout, le signe a recommandé que il faut que, après cette cérémonie, dans l'année, le plus vite là, faites-vous consulter aussi, encore dans l'année individuellement, pas dans cérémonie de fin d'année, pour qu'on fasse cérémonie pour vous et vous allez éviter certaines choses. Manger des pâtes rouges dans cette année, ce n'est pas trop bon pour vous. Sinon, vous allez finalement perdre, c'est-à-dire, de vos enfants dans cette année. Mais quand on fait les sacrifices, que ça va aller et les esprits vont vous sauver dedans. Mais gardez votre bouche et surtout, venez pour que l'on protège votre famille, votre foyer, tout ça, à part pour les cérémonies de fin d'année et que les bénédictions vous accompagnent. Il y en a un de quoi il y en a un, tu étais dit, regardez, beaucoup de quoi il t'en loupe avec, il y en a beaucoup.